Salut, c'est Lastangel et bienvenue sur Relactu Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la Gamescom et ça concerne aujourd'hui PES 2018, donc ça s'adresse plus particulièrement aux fans du ballon rond. Et Konami, comme vous le savez, avait mis il y a quelque temps une bêta en ligne. Cette bêta a rencontré un tel succès que finalement Konami a décidé de mettre en disposition une démo de PES 2018 qui sera accessible à partir du 30 août prochain. Alors cette bêta sera évidemment, cette démo pardon, sera bien sûr gratuite. Elle sera disponible sur PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One et PC. Vous aurez des clubs que vous pourrez essayer lors de cette démo. Vous aurez évidemment des stades de disponibles et des modes de jeu. Alors on va commencer par vous énumérer les clubs qui seront jouables lors de cette démo. Alors je vais en écorcher certains et je vous demande de m'en excuser. Alors il y aura le Brésil, il y aura l'Argentine, il y aura l'Allemagne, il y aura le Colo-Colo, il y aura le FC Barcelona, le Borussia Dortmund, l'Inter, le Liverpool FC, le CR Flamengo, le SC Corinthians Paulista, le CA Coba Junior et le club de l'Atlético River Plate. Pardon. Alors pardon si j'en ai écorché certains. Hein. Ensuite au niveau des stades, on en aura deux. Vous aurez le Camp Nou et le Signal Induva Park. Et enfin, en ce qui concerne les modes de jeu, pour terminer ces informations sur cette démo de PES 2018, il y aura les matchs exhibition mais en hors ligne et il y aura également de la coop en hors ligne. Toujours. Voilà, donc ceux qui hésitaient ou qui voulaient goûter un petit peu parce qu'ils hésitaient pour acheter du PES 2018, je sais que beaucoup se tournent plus vers FIFA 2017-2018, mais faut peut-être quand même jeter un œil sur ce jeu. Moi j'avais joué au tout premier PES il y a très longtemps et j'avais trouvé assez sympathique. C'est pas pour autant que j'avais boudé FIFA. Je trouvais que les deux étaient radicalement différents et les deux étaient, me plaisaient. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué à des jeux de foot parce que c'est plus vraiment le genre de jeu qui m'attire. Mais je sais que PES, j'en garde même personnellement un souvenir assez sympathique, comme d'ailleurs des souvenirs de FIFA. Et donc voilà. Donc l'info à retenir, c'est que le 30 août, il faut vous pensiez à télécharger cette bêta si vous êtes vraiment amateur de foot, histoire de tester un petit peu ce que vaut le FIFA 18. Et puis voilà, donc moi je vais prendre congé, je vais vous dire comme d'habitude, prenez soin de vous, des gens qui vous aiment. Surtout partagez, likez, c'est très important pour le référencement de la chaîne sur YouTube. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Allez, bye!